Alain Delon en pyjama troué avec des corbeaux, il est surpris en mauvaise posture. Alain Delon a été dépeint sous un mauvais jour par son fils Alain Fabien. Il s'affiche avec un drôle de pyjama troué. L'acteur de 24 ans se confie lors d'un entretien accordé à Point de Vue à l'occasion de la sortie de son roman De la race des seigneurs, où il est demandé si ce qu'il garde de son enfance ressemblait au livre. Un mélange de moments merveilleux et d'autres plus compliqués. Le fiancé de Capucine Hanabre connaît un contraste avant de parler de son père, qui est toujours très bien habillé en public qui, mais lorsqu'il est chez lui, porte une robe de chambre trouée et jette du pain au corbeau en faisant coa-coa. Il n'a pas parlé de l'hospitalisation de son père. C'est comme ça, dit-il, avant d'évoquer ses propres projets, et notamment son désir de devenir père. Il espère suivre les pas de son frère Antoine, qui fait du bon travail avec ses enfants. Il s'occupe très bien de Lou et Liv, c'est un père moderne et très présent, indique Alain Fabien Delon, qui lorsqu'il traverse une mauvaise passe, se rend aux Pays-Bas, le pays natal de sa mère. Mais aussi en Allemagne, où elle est installée. Quand ça va mal, je file à Amsterdam puis à Devanté où habite mon grand-père. J'y reste deux ou trois jours puis ma mère vient me chercher et nous allons à Hambourg. Je sais que cela va me faire du bien, a glissé l'acteur.